Bonjour, le mot du jour, être. Nous sommes dans une société où l'avoir est essentiel. On est conditionné à penser que lorsque l'on aura, on pourra faire plein de choses et enfin être heureux. J'imagine peut-être que tu te dis que lorsque j'aurai perdu quelques kilos, je pourrai enfin faire plein de choses et me sentir heureuse. Eh bien, c'est une impasse. La preuve, on est dans une société, on est un des pays les plus consommateurs en antidépresseurs. Il est important de commencer à penser l'inverse. C'est lorsqu'on se sent heureux qu'on peut enfin faire et avoir plein de choses. Ça partira toujours de l'être. Et comment on fait pour se sentir heureux? Eh bien, tout simplement, ça va dépendre de ce sur quoi on se focalise, tout simplement. On peut se focaliser bien sûr sur tout ce qui ne va pas dans la vie, dans notre vie, dans le monde. Et oui, il y en a plein de choses qui ne vont pas. Et pourtant, il y a des choses qui vont bien. Donc à chacun, à toi de décider sur quoi tu veux te focaliser. Si tu fais l'effort de te focaliser sur tout ce qui va bien, eh bien tu vas te sentir rapidement beaucoup plus heureuse et être en capacité de faire et d'avoir ce que tu souhaites. Bonne journée. Au revoir.